Je pensais à ça, puis je me suis dit, vous êtes peut-être perplexe. Parce que hier, dans le cours de yoga, qu'est-ce que je vous ai fait faire? Je vous ai fait faire Marma Mudra. Donc ici, où j'ai l'annulaire avec le pouce, et de l'autre côté, où j'ai le majeur avec le pouce, donc droite et gauche. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais droite et gauche. Et puis, là, on le fait pour les jambes lourdes. Avant, vous l'aviez déjà fait avec moi pour les pieds froids et les mains froides. Vous l'aviez fait avec l'Okana pour l'arthrite, l'arthrose. Puis là, vous vous dites, est-ce que c'est vraiment la même mudra que je pratique? Et la réponse est oui! Oui, c'est la même mudra pour toutes ces choses-là. Puis là, peut-être que vous dites, mais comment se fait donc c'est la même mudra? C'est parce que les mudras, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident à reconnecter énergétiquement des canaux énergétiques qui fonctionnaient pas bien ou qui étaient coupés, tout ça. Et Marma Mudra, donc ici, j'ai la main droite. La main droite, la main gauche. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça permet la circulation énergétique. Donc, tout ce qui est problème de circulation, partout, dans le corps, dans les articulations, ça, Marma Mudra, là, c'est comme une mudra magique. On pense circulation, problème de circulation, puis bang, c'est la bonne mudra. Donc, c'est ce que j'ai appris, moi, avec l'Okana sans regret. Experte en mudra, c'est elle qui anime la formation professorale de yoga thérapie. C'est extraordinaire, vraiment là. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager ça. Et si vous avez envie de faire le défi mudra, donc c'est super facile, vous tapez défi mudra, defimudra.com, ou encore vous pouvez cliquer juste là ou juste là. Vous allez pouvoir faire un défi mudra gratuit pendant 7 jours. Puis vous allez voir à l'intérieur de ce défi mudra, effectivement, Marma Mudra, qui est utilisé pour l'arthrite et l'arthrose, qui est utilisé dans le cours de yoga d'hier pour les jambes lourdes. Donc, je vous souhaite une belle exploration du défi mudra. Je vous dis à demain. Je vous embrasse et demain, on fait une super méditation sur le calme intérieur. Namasté. Ah oui, j'oubliais! Écrivez dans les commentaires ci-dessous comment vous avez aimé la séance de yoga d'hier. Si ça l'a aidé pour circuler l'énergie! Au revoir!